Parfait, bonne soirée. Merci beaucoup. À la voie 1, en gare du Mans, un train très spécial attend les voyageurs. Le groupe. Destination nulle part, ou plutôt une salle de spectacle d'un autre genre. Vous vous trouvez exactement là où vous êtes censé être, entouré de paysages et propulsé sur des rails qui ne vous mènent nulle part. Animé par 11 chefs de bord circassiens. En fait, c'est une scène de 80 mètres de long et de 50 cm de large. Ce qui est marrant, c'est que le train devient vraiment le théâtre. On ne performe pas dans un train avec des gens qui seraient usagers, qui vont réellement d'une ville à une autre. C'est que là, tout le public est d'accord de dire « Ok, ce train est une scénographie, on rentre dedans et on va voir le spectacle à l'intérieur de cette scénographie. » Et ça, c'est hyper beau. Jongle, magie, poésie, ou encore performance théâtrale. Dans chacun des wagons, 6 numéros s'enchaînent à plus de 160 km/h sous le regard ébahi des 150 spectateurs. Bah oui, c'est super, c'est très original le fait d'utiliser le train et aussi dans les numéros. Moi je suis fan de cirque, donc c'est vrai que j'étais enthousiaste de pouvoir vivre ce moment. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, c'était la grosse surprise. Et moi ouais, je trouve ça excellent, c'est très original, ça change des spectacles habituels, non, c'est génial. La fin du voyage. Après 1h45 de trajet, le train revient en gare, laissant aux curieux du soir le souvenir d'un voyage pas comme les autres.